Des vivres toute nature pour les habitants de Mvumvudu. C'est le geste accompli par Gildas Gucci Makusumavungu, membre du comité directeur du RDPS. Ceci pour permettre à cette population de bien passer la fête de fin d'année et d'attaquer avec brio la nouvelle année qui se dessine à l'horizon. Ce geste me vient droit au cœur. Je remercie beaucoup au RDPS pour le geste qu'il vient de faire. Et merci au camarade Gauthier. Grâce à ce qu'il vient de faire, ça va nous aider pour demain. Donc, beaucoup de remerciements et que Dieu le bénisse, qu'il ait encore plus. Pour le bienfaiteur, ce qui s'est réalisé en Mvumvudu n'est pas une nouveauté, mais bien plus une tradition qui a été respectée. Tant il est vrai que chaque année, le RDPS a toujours eu l'initiative de faire une action de ce genre. Comme de coutume, le RDPS, à travers ses membres et ses cadres, en chaque fin d'année, rassemble les femmes et les hommes afin de leur donner quelque chose, afin de leur permettre de passer la fête de fin d'année en beauté. C'est un geste de solidarité. Pourquoi je dis geste de solidarité? Parce que la société bantou s'est construite sur la solidarité. Sans la solidarité, il n'y a pas de peuple bantou, il n'y a pas de civilisation. Donc c'est pour cela, au niveau du RDPS, nous perpétuons cette culture-là. Donc nous entraînons les uns et les autres. La remuée de ces vivres à la population de Mvumvudu prouve à suffisance que le vivre ensemble au sein du RDPS, conduit par son président Jean-Marc Tistertikaya, reste et restera un cheval de bataille. Dans l'intérêt de bien cimenter les relations fraternelles avec le peuple.